Shalom, shalom, mon frère, ma sœur. Je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Je te salue dans le nom de notre Dieu d'amour. Je souhaite que cet amour, que la joie et la paix demeurent toujours dans ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici devant toi dans ta présence pour te rendre grâce ce matin pour le don de ta vie. Te rendre grâce, Seigneur, pour le souffle de vie. Te rendre grâce, Seigneur, pour nos familles. Te rendre grâce pour le travail, pour les études. Te rendre grâce, Seigneur, pour le privilège que tu nous donnes d'être debout aujourd'hui. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit à jamais élevé. Que toute la création, que tout ce qui respire, proclame ta louange, Seigneur. Car tu es digne d'élévation, car c'est toi qui nous as fait, c'est toi qui nous as créés, Seigneur. Et aujourd'hui encore, tu nous as fait nous lever pour te célébrer. Alors aujourd'hui, particulièrement, je veux dire à un frère ou à une sœur qui garde un péché dans son cœur et qui n'arrive pas à se pardonner d'avoir commis ce péché, mais surtout qui n'arrive pas à croire en la miséricorde de Dieu pour ce péché. Mon frère, ma sœur, je veux te dire que le Seigneur est bon et il est miséricordieux. Je veux te dire aujourd'hui, nous voyons dans la première lecture de ce jour comment Dieu renonce au châtiment qu'il avait prévu pour le peuple de Ninive, juste parce que le peuple s'est détourné de son péché. Mon frère, ma sœur, ce qui est le plus important, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas le péché que tu as commis, mais c'est ta relation avec ce péché. Si aujourd'hui tu décides de laisser ce péché, si tu décides de quitter ce péché, alors le Seigneur te rejoint. Alors son esprit qui est en toi se manifeste encore plus. Moi qui te parle, je suis un témoignage vivant. Je peux te dire que la miséricorde de Dieu est réelle et la miséricorde de Dieu surpasse tout. Il n'y a aucun péché qui dépasse la miséricorde de Dieu. Alors je veux qu'aujourd'hui tu te tournes vers lui, vers ce Dieu miséricordieux, vers ce Dieu qui t'aime. Alléluia. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance. Il m'a libéré. Oh, moi j'ai vu sa bonté. Quelqu'un qui a déjà expérimenté la miséricorde de Dieu? Est-ce qu'il y a
quelqu'un qui, au sortir du sacrement de la réconciliation, s'est déjà senti libéré, s'est senti libre, s'est senti vide, s'est senti vraiment relâché de quelque chose, d'un fardeau. Alors chante avec moi. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Oh toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Oh toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Il faut presser les pas, viens à lui aujourd'hui. Ta bonté et ta miséricorde soient à jamais louées, Seigneur. Nous voulons encore te confier cette journée, afin que tu veilles sur chacun d'entre nous. Et durant cette journée, nous voulons continuer à proclamer ta miséricorde et ta bonté pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Mon frère, ma sœur, je te souhaite une belle journée dans le Seigneur. Que notre Dieu manifeste encore sa miséricorde envers toi dans ta vie. Que notre Dieu manifeste encore sa bonté dans ta vie. Reste dans la paix. Reste dans sa paix. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.